Adam, ici David. Vous êtes arrivé? Ouais, je suis dans l'entrée. Désolé d'écourter votre convalescence, mais nous avons un problème. Une intrusion dans notre usine de Milwaukee Junction. Retrouvez-moi à l'hélice station. Alors tu vas te calmer tout de suite, mec. Toi d'abord, voir Pritchard. Mon amplificateur rétinien fonctionne mal. Franck est au deuxième niveau dans le labo technique. Faites vite. Des vies sont en jeu. C'est bien, et moi je... C'est pas un peu tôt pour envoyer Jensen au front? Vous dites qu'il aurait presque totalement récupéré. Physiquement, il tolère remarquablement bien les augmentations, mais ça veut pas dire que mentalement aussi. Et nous savons tous ce qui s'est passé quand il est venu au soir. Il n'a rien à voir avec le massacre. Bon, ça parle dans mon dos, c'est bien. Alors... Mais pourquoi David retarde l'intervention du SWAT? Il a déjà oublié la dernière attaque? Ça a rien à voir. La dernière fois, c'est... Ok! Donc ça, c'est la zone publique de là où on bosse. Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est charmant. C'est charmant, c'est charmant. On parle dans mon dos, on dit de la merde sur ma vie, hein, c'est cool. C'est bien d'être absent pour cause de... trauma majeur. Je vous dis... Oh, une moto. Final Fantasy 27. Ok. Je me suis jamais vraiment attardé sur cette licence, donc c'est très bien. J'ai 2500 balles, c'est cool aussi. J'ai pris ton argent, tu m'en veux? C'est dommage. Eh ben, c'est pas trop tôt. Vous êtes resté coincé dans un conduit de ventilation en venant ici? Moi aussi, je suis content de vous voir, Francis. Mon amplificateur rétinien fait des siennes. Vous pouvez le réparer? Si, c'est bien ce que je crois. Sans doute. Mais ça risque de piquer un peu. Apparemment, vos processeurs graphiques droit et gauche étaient mal synchronisés. Mais ne vous inquiétez pas. Votre implant de soins sentinelle va s'activer et réparer les dégâts éventuels. Votre affichage rétinien est bon pour le service. Le programme de reconnaissance ne repérera pas encore les ennemis, mais vous devriez avoir le radar et le réticule de visée. Les données biomédicales aussi, en cas de douleur. Bon, vous avez fini? Parce que ça arrive maintenant à l'hélistation. Je sais. Des intégristes se sont introduits dans notre usine et ils ont pris des otages. Peut-être que cette fois, vous sauverez quelqu'un. C'est votre jour de chance. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Bien. Vous voulez du texte? Lisez. C'était bien, hein? Alors... Hop là, hop là, hop là. Faut juste que je sache dans quel sens aller. Tiens, je te prends ton bonbon. Non mais, oh, il parle mal, il dit de la merde. Niveau de sécurité 4, ouais. J'ai sûrement pas le niveau pour ça. Niveau 3, sûrement pas non plus. Bon. Bon, on va progresser un peu, on fouillera la zone, vous en Adam, faites pas. Vous êtes encore loin de l'hélistation? Oh, j'y suis merde. Bon, parce que l'intervention du SWAT serait catastrophique en termes d'image. Retrouvez-moi dans l'hélico. Je vous ferai un point sur la situation. C'est bien. Ta gueule. Pas besoin de t'écouter et dire tes conneries. Journal. On s'en fout des journaux. Allez, tiens. Journal. Bla bla bla. Voilà, vous êtes heureux, vous avez lu. Rien d'autre à récupérer sur les tables? Quoi, il y a juste une canette? Oh. Oh, bon, bah tant pis. Hein. Tiens, tiens. Non! Bonjour, chose, Malik. Farida, Malik. Contente de te revoir, Jensen. J'aurais jamais cru que ça arriverait si vite. Tu sais ce que c'est, Malik? L'appel du devoir. Ouais, comme tu dis. J'étais à mi-chemin du sommet du Renaissance Center quand j'ai reçu l'appel d'urgence. Mais toi, 6 mois, ça fait pas beaucoup pour revenir d'entre les morts. T'es sûr que t'es prêt? On va rassurer. Y a qu'un moyen de le savoir. Comme tu dis. Le patron est déjà à bord. Il se dispute avec l'équipe d'intervention de la police. Ils ont cerné l'usine, mais Monsieur Sarif veut que tu entres le premier. T'es prêt? Parce que plus vite on décolle, plus vite on pourra régler ce problème. Ouais, allons-y. Parfait. Alors on décolle. C'est parti, on va tuer des gens. C'est cool. Ah là là. Bonjour patron.
Pam. J'ai dit à Farida d'atterrir sur un toit. Je ne veux pas que le public vous voit entrer. Très bien. Mais je veux qu'elle reparte avec vous aussitôt. Alors à quoi je dois m'attendre? Qui sont ces types? Des puristes pro-humanité. Enfin, c'est ainsi qu'ils se présentent. Les mêmes qui font sauter des cliniques en plip dans tout le pays. Vous y croyez? C'est pas une coïncidence. Ils attaquent aujourd'hui au moment précis où le Typhoon arrive sur le site pour passer sur la chaîne de montage. Le Typhoon? L'équipe de Megan le testait le jour où ce salaud... Qui commande tous ces gars? Adam. Je sais que Megan et vous aviez... Qui commande tous ces gars? Un certain Sanders. C'est lui, là. Il n'a aucune augmentation, Adam. Ce qui signifie qu'il n'était pas parmi les mercenaires qui nous ont attaqués. Mais il savait par où entrer dans notre usine. D'accord. Vous voulez que je m'y prenne comment? La priorité absolue est le Typhoon. Je retiens le SWAT tant que le Typhoon n'est pas sécurisé. Pour ce qui est de l'approche, que proposez-vous? Mortelle ou incapacitante? Alors, j'ai dit que j'allais tuer des gens, mais en fait, je vais prendre incapacitante. Parce que tout de même, les armes incapacitantes, ça peut être pratique de temps en temps. Je dis bien de temps en temps. Et les armes mortelles, on en trouvera sur place. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de coup de feu. Je vais les neutraliser les uns après les autres. Ok. C'est ça. Mais mettez bien ces salopes par chaos, qu'ils ne se réveillent pas pour avertir leurs copains. Vous vous souvenez de la disposition des lieux? Beaucoup de couloirs étroits et clos. Mais des labos plutôt ouverts. Des plafonds hauts. Alors, vous voulez une arme de tir à distance ou de combat rapproché? Courte portée. Je pense qu'il vaut mieux se rapprocher de l'ennemi. Comme ça, je serai sûr qu'ils ne se relèveront pas. Entendu. Le Typhoon devrait se trouver dans les labos d'ajustage. Mais Pritchard vous en dira plus. Je l'ai chargé de rester en contact avec vous. Merveilleux. Autre chose? Voyez si vous pouvez trouver les otages. Libérez-les si possible. Mais le Typhoon est la priorité absolue. Nous l'avons développé pour des agences fédérales. Alors il doit rester intact et secret. Je suis sûr, vous vous en tirerez très bien. Messieurs, okay, cool. L'atterrissage est imminent. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Tu devais partir. Mais bon, tu pars. Ok, alors, on repasse par des choses. Toi... Je te mets là. Toi, je vais te mettre là. Voilà, on va juste organiser un petit peu. Donc ça, c'est l'inventaire dont on peut augmenter la place si on améliore notre petit monsieur. Avec les alimentations. Qu'est-ce que je raconte? Les augmentations, voilà. Amplification sociale. Enfin, ça demande beaucoup de choses. Je n'ai pas de priorité particulière. Ce sera à mon avis au cas par cas. À la situation, on va commencer par récupérer ce qu'on peut récupérer. Si on peut récupérer des choses. J'ai réussi encore à cliquer en dehors de l'écran, mais bordel! Ok, c'est bien, je reprends les contrôles en main. Enfin, pas trop tôt. Qu'est-ce qu'il cache dans son usine, votre patron, qui vaut la peine de risquer la vie de vos propres employés? Des armes. Massives. Vous êtes prêts à y aller? Bien. Il y en a qui sont sortis fumer une clope de temps en temps, alors soyez prudents. Chocolat. Oui, mais je m'en fous de tes initiations, Mike. Hein. Menu clavier, j'en ai rien à foutre. Y'a rien sous les boîtes. C'est vous? Bonjour. Le type qu'on est obligé d'attendre depuis des plombes? Jensen,
Tu veux sécurité un coup de taser de Sarif Industries. Johnson. Ouais, je me disais bien que je vous connaissais. Vous étiez dans le groupe 2 jusqu'au désastre de Mexican Town. Je dois vous dire que je vous voyais pas du tout vous reconvertir dans le privé. Les gens changent. Pas toujours en mieux. Bon, allez-y et faites ce que votre patron veut que vous fassiez. Parce qu'on aimerait pouvoir faire notre boulot, nous. Ok. Alors d'abord, j'aimerais des informations. Pour les puristes, vous me faites un topo ? Vous voulez savoir quoi ? Est-ce qu'ils ont donné leurs revendications ? Pas encore, mais je ne crois pas qu'ils soient si structurés que ça. Ceux qu'on a vus ressemblent davantage à des paumés, des vandales. Le genre qui s'éclate à détruire du matériel high-tech. À mon avis, il n'y a que leur chef qui est à prendre au sérieux. Leur chef s'appelle Sanders, c'est ça ? C'est qui ce type ? Zeke Sanders. On est en train de fouiller son passé. Pour l'instant, on sait qu'il a servi 2 fois dans le Golfe, dont 1 dans le programme militaire de requalification. Il aurait des augmentations ? Sarif me dit le contraire. Il en a eu, oui. D'après lui, elles lui ont fait faire des trucs dégueulasses, et il les a fait enlever. Et il a tout un groupe de gamins paumés qui croient à ses conneries et qui sont prêts à mourir pour lui. Ou à tuer. Ils sont combien à l'intérieur ? Difficile à dire. On en a vu 3 dans la cour, peut-être 5 ou 6 à l'intérieur. Mais c'est très approximatif, puisque tout ce que les Intellicam m'envoient, c'est un enregistrement en boucle. C'est impossible. J'ai spécifié à Sarif que Pritchard devait réviser tout le système. Ouais, ben, doit y avoir un petit génie parmi les puristes. Parce que tout ce qu'on a, c'est une boucle. Donc ils peuvent être 5, 10 ou 50. Ok, merci. Bon, j'en sais assez. C'est sûr ? Je voudrais pas que votre patron vienne se plaindre. Oui, oui, j'en sais assez, je vais tous les tuer. Vous avez l'air bien installé. Quel est le plan d'action ? On a Alpha en pointe et Bravo en soutien. Les 2 équipes sont prêtes au point d'insertion. Elles sont coordonnées d'ici, mais pour l'instant, on attend le feu vert de votre patron. Et en réalité, vous me laissez combien de temps avant de lâcher les cow-boys ? Si on suit le protocole, aucun. Mais si on écoute vos avocats, plus vite vous irez, plus vite on pourra entrer en piste et rétablir la situation avant qu'elle nous pète à la gueule. Ok. On a des employés à l'intérieur. Vous savez vers où je devrais chercher ? Ouais. La directrice de l'usine, Josie Thorpe, a réussi à nous appeler avant qu'il lui prenne son portable. Elle a dit que les otages étaient rassemblés dans un bureau près des labos de montage. C'est logique. Ils se préparaient à lancer une nouvelle production. Donc ils devaient travailler là. Ça, c'est plutôt votre partie que la mienne. Autre chose ? Non, j'ai tout ce qu'il me fallait. Je prends les choses en main. Tenez-vous prêts et attendez notre feu vert. Comme si on avait le choix. Ok. Il était temps. Quelqu'un vous a dit qu'ils avaient des otages là-dedans ? Effectivement. Mais t'en fais pas. Pour l'instant, ils sont protégés par le scénario. Pour l'instant. Des pilules, c'est bien ça. J'aime manger les pilules. Rien sous les boîtes ? Rien dans les poubelles ? Vaut rien. Jensen, c'est moi, Pritchard. Où êtes-vous ? Sur un toit qui domine l'usine. Bien. Votre point d'infiltration est sûrement le service manutention. Sûrement, Francis ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, bon sang ! C'est une entrée pour les employés. Sans doute bien gardée par les puristes. Alors, si vous voulez éviter l'assaut frontal, je crois que vous pourriez passer par le toit du bâtiment. Putain, je les ai mis en alerte à cause de mes conneries. Mec, t'as pas vu un carton volé ? Non, sûrement un oiseau. Un oiseau en forme de carton ? Ouais, ouais. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Soudoué que je suis. Je suis pas là. Oui, c'est bien ça en plus. Il est allé voir du côté du carton. Putain. Je suis trop con. Je suis trop con. Chut, je suis pas là. Je suis pas là. Est-ce que tu vas t'arrêter ? Est-ce qu'il va s'arrêter ? Il s'arrête, il va sûrement retourner dans l'autre sens après. Et je m'occuperai de lui bien gentiment, je récupérerai son arme. Et tout le monde sera heureux. N'est-ce pas ? Allez, retourne-toi, salaud. Marche dans l'autre sens. C'est assuré qu'il va le faire.
Non, t'as besoin d'un bruit de carton pour aller voir. Il fume sa clope, il est peinard. Sauf que me connaissant, c'est dès l'instant où je vais sortir qu'il va se retourner. Donc je... Je me méfie. Je me méfie sûrement trop, mais je me méfie. J'ai l'impression que je me méfie beaucoup trop. Bonjour. Je prends tout. Ramène-toi. Voilà. On passe un petit coup dans l'inventaire. Toi, je te fous ici. La pierre ! On la met là. Voilà. On est bien. On est bien comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Cinq balles. C'est pas grand-chose, hein. C'est pas des masses. C'est pas des masses, mais c'est toujours ça de prix. Il y a un type là-bas. C'est pas génial passer par la cour comme ça. Est-ce qu'on pourrait passer d'une façon plus discrète? Endroit. Y a rien du tout ici. Je saute accroupi, moi, je suis un dingue. Ok. On déplace alors. Je suis discret. Alors. Pop. Regardez surtout pas en haut. Ah. Là, c'est moche. Ah. Là, il y a une porte, on se fait pas chier. Il y a un homme mort. Fusil de précision silencieux, explosif à détonateur. Bah, écoute, je prends tout, hein, je me casse pas le cul. Ça, c'est sûrement du contenu de DLC, là. Donner du matos comme ça au tout début. Je suis dedans. Bien joué, Jensen. Comment avez-vous fait ? Un conduit d'aération sur le toit. Ça sera dans mon prochain rapport sur les failles de sécurité. Fichtre, j'ai hâte de le lire. Le Typhoon est dans les labos d'ajustage. Il y a un ascenseur qui y mène juste après les labos de montage. Compris. Ok. Alors, par où je suis censé passer, moi ? Je dis pas que je dois passer par les lampes. Non, parce que c'est foireux comme plan, ça. C'est très foireux comme plan. À moins que je puisse grimper. Non, ça m'étonnerait. Bon, en tout cas, là, il y a un type. Donc, c'est quoi, ça? C'est un fusil de précision? C'est pas ce que je voulais faire. Alors, simplement, quand il y a des lunettes comme ça, comment on s'en sert? Parce que c'est bien beau, hein, mais... Je vais mettre un couvert. Voilà, milieu. Eh ben voilà! Eh ben, tout de suite, c'est plus simple. Ah oui! Ah oui, c'est... Ah oui, c'est précis. C'est précis, je devrais pas en avoir besoin. Ce sera bien pour plus tard, au pire on le revendra, j'en sais rien.
Mais je ne devrais pas en avoir besoin. La pêche. Des balles. Journal. Résister aux machines. Rejeter le métal. Accepter les mots. Propagande. Bonjour PC. Une de prod en panne. Ok. Je suis discret. On va éviter les coups de feu pour l'instant. Approche-toi, mec. Approche-toi. Ok. J'ai réussi à louper mon tir. Bonjour. Recharge. Bonjour. Ok, on passe au létal. Ok. Ceci est un ratage complet. Je suis dedans. Bien joué, ça me ramène là. Comment avez-vous fait? Un conduit d'aération sur le toit. Ça sera dans mon prochain rapport sur les failles de sécurité. Fichtre, j'ai hâte de le lire. Le Typhoon est dans les labos d'ajustage. Il y a un ascenseur qui y mène juste après les labos de montage. Compris. Bien. On va reprendre les quelques petites choses qui étaient là. Voilà. Histoire de dire... Hop, on relie le maradier. Voilà. On se déconnecte. On relie bien le maradier. Voilà. Alors là, voilà. Maintenant, on évite de faire le cuillon. Alors. Ah, là, déjà, il n'a pas remarqué. C'est mieux. Discret. Ah, et c'est par là que j'aurais pu arriver autrement. Fusil à double canon. Vous êtes sérieux? J'imagine bien le type. Je suis discret. Bam. c'était juste là. C'était juste. Tu disais que tu voulais tous les tuer discrètement. Oui, je disais ça. Le truc, c'est que pour l'instant, j'ai pas vraiment l'équipement pour. Pas de façon totalement discrète. Tant que j'aurai pas un silencieux pour mon flingue, ce sera plus difficile. Ok, ils sont globalement dans ma direction, ils ont peut-être pas de champ de vision très développé, mais je préférerais... Je préférerais qu'ils me tournent le dos. Il y en a un qui me tourne le dos. Encore un, s'il vous plaît. Dégage, toi, je te vois. T'es bien. De l'autre côté. On reste accroupi, hein. On reste discret. Ok, on prend la boîte. On met la babette ici. Et on passe. Bon, pour l'instant, ça va bien. Je suis juste mort une fois. Alors, c'est pas... Je vais être sorti fumer une clope. Il ne devrait pas se balader comme ça. Zig veut qu'on reste très vigilant. Ça sert à quoi? Les flics bougeront pas tant qu'on aura toutes les cartes en main. Musique, quand cet augmenteur nous a surpris, j'ai jamais vu personne bouger aussi vite. Et puis, on est sûr de sortir d'ici. Pas si les flics nous tombent dessus pendant qu'on fume. Mais allez fumer, vous avez raison, allez fumer. Ok.
Tomber au milieu d'un couloir, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Surtout si des gens s'approchent. N'est-ce pas? Y a-t-il un autre chemin? Un autre chemin plus discret? Par là peut-être? Y a quelqu'un là? Bah écoute, pas dans ce placard. De l'autre côté de cette porte par contre... ouais, apparemment il y a quelqu'un juste là. Montre-toi mec, montre-toi. Ok. Ok, il est juste là. Fais dodo. Il a grillé. J'aurais peut-être allé fermer la porte là-bas. Il n'y a personne. Alors, est-ce que je passe mon temps à fouiller tous les placards ou est-ce que je continue? Écoute, ça c'est cool. Bon, on va pas tout fouiller non plus, hein. Il va loin, il va loin. On ferme la porte, ça y verra pas son Jensen, pote. Je viens d'essayer de déverrouiller la porte des labos de montage. Mes codes administrateurs ne fonctionnent pas. Quelqu'un a modifié les protocoles. Quoi? Vous n'avez pas colmaté là? J'y travaille. Mais tant que je n'ai pas identifié cette faille, vous devrez pirater la porte manuellement. Terminé. Ok. On va ripater. Bon. Piratage, comment ça se passe? On part de là. Ces chemins-là, ils sont à sens unique. Ceux-là, ils sont à double sens. Le petit chiffre indique le niveau des machins. Il faut atteindre ce truc-là. Et sachant que ce truc-là, dès qu'on va commencer, si on est détecté, ce truc-là va lui aussi se répandre dans le réseau. Et s'il nous atteint avant que nous, on atteigne l'objectif, on a perdu. Détection 60%. Il m'a détecté. Accès autorisé. Voilà. C'est facile. Au départ, en tout cas, c'est facile. Chocolat. Ok. Ouais. C'est parti. Plein de monde partout. Putain, tu l'as tué, mec. On l'a bien cherché. Fallait pas me traiter de fanatique. Non, merde, non. Je suis pas en taule pour ça, moi. Désolé. Hey. Mais quand cette bombe aura sauté, il y a beaucoup d'autres menteurs qui vont y passer. Ta gueule, Giro. Trevor, tu te calmes. Aide-moi. Trouve quelque chose pour recouvrir. Ces augmenteurs méritent ce qui va leur arriver. Par où je passe? Réfléchir. Doucement. Ok. Dégage, c'est bien. Chut. Ok. Oh. Je suis discret. Bon. Eh bien, grimpette. Je m'en fous de vos vies, les mecs. Tiens donc.
Opiotai, pêcheur. Ah, ce seraient les otages là-dedans, dans cette pièce. Mais c'est que ça m'intéresse, ça. C'est que ça m'intéresse fortement, les otages. Il faut sauver les otages. Allons-y, allons-y. Ceci ressemble à une bombe. N'utilisez pas la porte. Je n'utilise pas la porte. Où sont les démineurs? Ils sont pas là, les démineurs. C'est moi, les démineurs. Où sont les démineurs? Je fais quoi? J'essaie de te sauver la vie, du con. Faites quelque chose. Pas détecté, c'est cool. Pas détecté, c'est cool. Putain, j'ai du cul. Regarde comme j'ai du cul. Oh, j'ai été détecté. Temporisateur automatique désactivé. Compte à rebours interrompu. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi, bombe. Informez Sarif. J'ai trouvé les otages. Et je lui annonce une bonne nouvelle. Ils sont en sécurité, avec l'ordre de ne pas bouger. Le SWAT devra les évacuer dès que j'aurai le prototype. Je vais le dire à Sarif, mais faites vite. Écoutez-moi, je veux que vous restiez calme jusqu'à l'arrivée du SWAT. Personne ne crie. L'usine n'est pas sous notre contrôle. Comment ça? Mais ces terroristes, ils ont ma femme. Votre femme? C'est la directrice de l'usine, Josie Thorpe. Ils l'ont forcée à aller ouvrir le bâtiment administratif. Ils cherchent des preuves, apparemment. Je vous en prie, on ne l'a pas revue. Vous devez la retrouver. On va ici pour sécuriser l'usine, je ne peux rien vous promettre. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Mais dans l'immédiat, restez tous ici et attendez la police. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr. Mais dépêchez-vous. Vous dites qu'ils cherchent des preuves. Quel genre de preuves? Je l'ignore. Ce sont des puristes. Ils croient que le corps est sacré et ne doit pas être dénaturé. Ils veulent sans doute prouver que nous agissons de manière immorale. Ils sont au courant pour le Typhoon? C'est un contrat top secret. Ils ne peuvent pas savoir. Et puis il n'est là que depuis quelques heures. Je vous en prie. Ils devaient penser que personne ne travaillait aujourd'hui. Ah, et maintenant, possible. Ils sont acculés. Retrouvez ma femme, s'il vous plaît. Ça fait sens. Ta théorie fait totalement sens, mec. Par contre, je ne sais pas par où passer. Ici, je suppose. Il y a des gens là. Ah, il y a un mur. D'accord, c'est un peu plus gênant. Et de l'autre côté, je suppose... Ouais. Je suppose qu'il y a aussi un mur. Oui, évidemment. Il faut passer par en dessous. C'est pas cool. Saloperie. Alors que je trouve le moyen de corriger ça. Hein. Et... C'est pas moi. Je serais tenté de balancer un carton à travers la pièce. Diversion, carton, voilà, saut. Vous ne me voyez pas. D'accord, il n'y a pas d'autre passage que la porte, j'ai l'impression. Ce qui est quelque peu gênant. Alors, il y en a un autre, mais un peu plus caché. C'est possible. Bon. Une caméra peut me voir, avec un monsieur au fond. L'humain est certainement le plus gênant. On va attendre que l'humain vienne ici. Humain. Allez, tourne-moi le dos. Tourne-moi le dos, mec. Tourne-moi le dos. Vas-y, tourne-moi le dos. Caméra de merde. Dégage, caméra. Caméra de merde, tourne! Vite, caméra de merde, vite! Vite, caméra de merde, vite! Vite! Vite!
Vite! Vite! Vite, 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 vite. Bon, ça va déjà mieux. Bonjour. Fais dodo. Je prends tout. Oh, 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 la caméra m'a vu. La caméra m'a vu. C'est ma faute. C'est ici, mec. Bonjour! Là, vous me laissez pas le choix, les mecs, hein. Ta gueule! Non, mais oh, on se calme, hein. On se calme, dit-il. Allez, vous me donnez tout votre matos. Je rentre dans le bureau. Je prends plus de matos. Je vais pas lire le journal, parce que je m'en fous. J'éteins la télé, parce qu'elle me fait chier. J'ai eu l'autre télé! Non! allez, texte arrive, il sort pour demain. Voilà, chose fermée. C'est pas du fric, ça c'est une imprimante. Dommage. Très bien, la suite. Je n'ai pas le code. On pirate la chose. Allez, piratons. Hop là. Alors, toc, 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 donc il faut que je passe par en haut, j'ai pas le choix. Il m'a détecté rapidement, le salopard. Mais il est très lent. Accès autorisé. Merci. Bon. Ils sont en alerte. Eh oui, il y a eu l'alarme pendant un moment. Maintenant, ils me recherchent. Ils savent que j'existe. C'est gênant. C'est gênant, mais... ça va pas m'empêcher de me les faire. Ils sont maintenant un peu plus gênants. Bon, c'est pas grave. Passe à la méthode létale, systématique, c'est tout. Depuis le temps que j'accumule des munitions pour fusil d'assaut, j'espère en trouver un d'ici peu. Ils sont passés en mode calme. Ok les mecs. Ils sont calmés. Moi ça me va. Hey, des caisses comme ça, c'était forcément pour cacher un truc. Pas besoin d'être un génie. On le déterminait. Il suffit d'être observateur. Et d'avoir quelques notions sur les jeux vidéo. Toi, je te vois, et toi, tu pourras me voir d'ici peu. Donc, on va se calmer. Taser. Discrétion. J'ai fait assez de conneries comme ça. Allez, approche-toi. Approche-toi. Il s'approche pas plus. Je te vois. Il va faire demi-tour, c'est ça? C'est ça. Super. Super. Fais dodo. Super. Pognon. Il y en a un qui se dirige vers ma direction, d'après mon radar. En tout cas, qui regarde dans ma direction. Donc, c'est pas le bon moment pour ouvrir la porte. Surtout que son pote est juste en face, il me semble. Ouais, en effet. Ok, là ça va être chaud. Là ça va être chaud. Par là, par là, par là, par là, par là. Ok, ça passe. Ça passe plutôt bien. Saloperie. Ok, toi tu me regardes pas, toi non plus, toi non plus.
go, 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 go. Ouh. Bien. Augmentation. Alors, kit de dynamisation. En gros, c'est une... Putain. En gros, c'est une augmentation. Alors. J'ai un seul point d'augmentation disponible. Dynamisation suivante dans tout plein de points. Bon. Personne ici. Un robot, une caméra. Non, 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 tu vois rien du tout, mec. C'est bien. Je suis discret. J'ai entendu un bruit. C'est-à-dire qu'il y avait des... Il y avait peut-être une mine. Il y avait peut-être une mine. Carnet électronique. Appuyez pour lire. Bien, j'ai trouvé tout ça comme carnet électronique. Ah non, ça c'est des emails, ça. D'accord. Ok, admettons. Admettons. Un virus. Un autre virus, c'est pour aider au piratage. On a le mot de passe. Oh, on va quand même pirater. Je préfère pirater. C'est plus amusant. Alors. Ah, je démarre là. D'accord. Donc, ces trucs-là sont des récompenses. Ça, je crois que ça diminue le niveau des machins comme ça. Et là, on peut accéder au traceur, donc c'est ce qu'on va faire, en fait. On va... Ce programme de diagnostic, c'est lui qu'on va prendre. Et vu que plus rien ne nous trace... Accès autorisé. On gagne automatiquement toutes les récompenses. Alors, caméra, tu t'éteins. Pour commencer. Tourelle, accès restreint, robot, accès restreint. Pas ce que je voulais faire. Augmentation. Question, donc, voyons voir. Amplification sociale, donc ça coûte 2. Okay. Radar, système radar, qu'est-ce que ça fait? Suivi des 6 minutes jusqu'à 25 mètres, jusqu'à 50 mètres. C'est pratique, c'est pas ce que je recherche. Piratage, capture. Ah! Domination des tourelles. Désactive les tourelles connectées à des relais de sécurité ou les retourne contre leurs alliés. C'est intéressant. Même si dans l'immédiat, c'est pas nécessaire, en fait. Cependant, le piratage va être très utile au fil du jeu, donc je pense tout de suite prendre le piratage niveau 2, ou alors on attendra. On attendra... Tiens, ouais, j'ai une idée. On va attendre avant de dépenser quoi que ce soit, et on fera au cas par cas. Ce que tu évoquais en tout début de jeu, en fait. Oui. Je suis discret. Tu détectes rien, mec. Tu détectes rien. Il détecte rien du tout. Moi, je passe derrière toi. Ah. Ah ah ! Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. C'est trop lourd. D'accord. Et mon objectif est ici. Ah ah ! Bah t'as l'air bien augmenté, mec. Pour un puriste. Écartez-vous du terminal. Vite!